On retrouve toute une série d'incontournables dans la ville et dans la métropole. D'abord, le vidéomapping dès le 14 juin, place Stanislas, un rendez-vous qui accueille plus de 650 000 personnes chaque année. Une création numérique, artistique, monumentale. Un spectacle gratuit, 20 minutes. Philippe Tidgat au dessin et French 79 à la musique. Les guinguettes, bien évidemment, 7 guinguettes cet été dans toute la ville. 6 sur la ville de Nancy à proprement parler. Et puis celle de la Méchelle, proposée par la métropole. En appui de la plage des Deux Rives, qui connaît un succès important chaque année, à la fois pour le sport, et cette année tout particulièrement, la plage des Deux Rives sera aux couleurs olympiques, en quelque sorte. Mais pas que, parce qu'il y a aussi l'Euro de football, donc on va faire beaucoup de sport sur la plage des Deux Rives. Je signale l'installation d'une fan zone, Stade Mater, de l'autre côté de la route, de la plage des Deux Rives, pour les demi-finales et la finale, où la présence de la France est garantie. C'est un engagement que nous prenons. Mais aussi, bien évidemment, toute une série de propositions de pratiques sportives, notamment en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif. Et puis, un peu plus loin, avec la pépinière où on retrouve les animations de bouge pour tous les publics à la fin du mois de juin. Beaucoup de musique tout au long de l'été. Je pense à Nancy Open Air et cette série de rendez-vous fin juin, début juillet au Zénith du Grand Nancy. Mais en réalité, tout ça se prolonge tout l'été. Pour les amoureux de musique savante, musique classique avec Nancy Phony dès le 1er juillet dans plusieurs lieux de la ville et de la métropole. Je pense aussi à Amour d'été au mois d'août, ce festival qui pour la deuxième année consécutive est porté par l'autre canal et l'association Le Facteur Musique, le festival Home à la fin de l'été pour les amoureux plutôt de musique électronique sur le site Alstom. Aujourd'hui la musique est un fil rouge et je n'oublie pas bien évidemment la fête de la musique le 21 juin qui à Nancy est particulièrement effervescente. Elle le sera encore cette année. Et moi, je me dis que dans la période dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de partager un certain nombre de ces moments de convivialité, d'émotion. Et c'est pour ça que je suis impatient de me retrouver cet été dans tous ces événements ou tous ces lieux qui vont vibrer tout l'été à Nancy.